Allô, allô! J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, grâce à cette vidéo, je vais te montrer comment générer des liens pour une cliente qui souhaite participer à un défi gratuit, un défi découverte. Alors voilà, je te partage mon écran et c'est parti. Alors tout simplement, tu t'en viens sur le site là, qui apparaît à l'écran et que je vais mettre le lien dans les commentaires, dans le fond, tbbcoach411.com. C'est notre générateur de liens. Alors, première étape, moi, dès que j'entre via ce lien-là, c'est en français, mais si toutefois c'est arrivé en anglais, alors tu vois dans le haut, là, tu as juste à choisir Canada français et ça va se mettre automatiquement en français. Ensuite, l'autre étape à franchir, c'est l'étape 1 ici, où tu entres ton ID de coach. C'est super important parce que ça va faire en sorte d'inclure ton ID de coach dans les liens que tu vas envoyer à ta cliente et c'est ce que tu veux pour qu'elle puisse s'inscrire sous toi et non sous une autre coach. Alors, on inscrit notre numéro et on clique sur Envoyer. Ensuite de ça, alors moi aujourd'hui, je vais me concentrer pour te présenter les deux liens nécessaires, en tout cas à envoyer, que tu peux te servir là, lors de défis gratuits. Alors, tu cliques tout simplement sur Enregistrement et je t'explique ça. Alors, bon, il y a le troisième dans le bas, coach. Alors, ça, c'est si quelqu'un voulait devenir coach, mais je ne me concentrerai pas là-dessus. Le premier ici, membre gratuit, c'est carrément pour que la cliente ait accès à la Clean Week, tout simplement. Donc, et tu vois en jaune, ça te répète ton ID coach. Alors, c'est super important de le valider et t'assurer qu'il n'y a pas de faute de frappe parce que ça serait plate que ça s'en aille, que son inscription se fasse via une autre coach. Ensuite de ça, Beachbody on Demand. Alors ça, c'est pour une cliente qui aimerait tester la formule complète de la plateforme, alors avoir accès à tous les entraînements pendant 14 jours. Alors ce lien-là, là, dans le fond, quand elle clique là-dessus, bien important de lui spécifier de choisir l'abonnement 3 mois. Et quand elle va choisir ça, on le voit là dans les petits caractères juste au bas, qui a un 14 jours d'essai gratuit. Alors, ça lui permet, bon, à ce moment-là, il faut qu'elle entre sa carte de crédit, ce qui n'est pas nécessaire là, pour le premier lien au niveau de la Clean Week. Sauf que c'est ça, pour le lien, les 3 mois avec 14 jours gratuits, il faut bien lui spécifier qu'elle a vraiment 14 jours gratuits. Il n'y a rien qui va être facturé sur sa carte, sauf que c'est ça, il faut qu'elle annule son abonnement avant les 14 jours. Et bon, moi, si tu veux offrir un service clientèle top, eh bien, moi, je me garde une petite note et puis je fais tout le temps un petit rappel avec ma cliente. De toute façon, durant le défi, tu es en constante conversation aussi avec ta cliente et tu vas voir avec elle, là, tu sais, ça va être quoi la suite de son parcours. Alors, tout simplement, tu génères tes liens comme ça, copier-coller, et c'est ce que tu mets dans ta conversation avec ta cliente. Bien important aussi, avant de lui envoyer les liens, de lui poser la question et t'assurer qu'elle n'a pas de coach. Parce que, par exemple, pour le Beachbody on Demand, le 14 jours d'essai gratuit avec un abonnement de 3 mois, eh bien, si elle avait déjà une coach, ce que ça va faire, elle va être facturée à ce moment-là. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, bien important de poser la question. Si elle n'a pas de coach, il n'y aura pas de problème. Mais c'est ça, il faut annuler avant les 14 jours, sinon, bien, elle va être facturée pour les 3 mois. Voilà. Alors, ça fait le tour, pas plus compliqué que ça. Si tu as des questions, bien, je suis là.